je tiens la chaîne YouTube Cours de japonais sur laquelle n'importe qui peut apprendre le japonais gratuitement. Alors le japonais, c'est une très longue histoire. J'ai commencé à l'apprendre tout seul en autodidacte. Ensuite j'ai suivi une formation à l'université Jean Moulin Lyon 3, donc en faculté de japonais. Et ensuite, une langue vivante, ça s'apprend sur des années, des années, des années. Donc c'est des voyages au Japon, c'est parler avec des japonais, c'est jouer à des jeux en japonais, c'est regarder des animés, c'est tout plein de choses qui font que petit à petit on arrive à se démerder pas trop mal. De base, j'enseigne le japonais de métier et je me suis rendu compte que la méthode d'enseignement que j'avais mise en place marchait pas trop mal sur mes élèves. Et parallèlement, je me suis aussi rendu compte que beaucoup de gens sur internet voulaient apprendre le japonais, mais ils n'habitaient pas forcément à côté d'une école, il y en a très peu en France. Et puis surtout, c'est des cours qui sont souvent très chers, donc pas mal de petites complications. Du coup, je me suis dit, je vais créer une chaîne YouTube où je vais mettre mes cours sur YouTube, mais ce sera gratuit, accessible à tout le monde, de manière à ce que chacun puisse y trouver un peu son bonheur. J'ai commencé la chaîne YouTube en novembre 2015, enfin les premières vidéos sont sorties en novembre 2015, mais avant il y a des mois de préparation. Et puis donc ça fait 2 ans déjà. Les cours s'adressent à n'importe quelle personne qui aimerait apprendre le japonais ou qui souhaite simplement découvrir un peu comment marche la langue japonaise, aussi bien au niveau de l'écriture que de l'oral en fait. Il n'y a pas d'âge minimum requis. J'ai des élèves qui sont en primaire et qui se font plaisir, qui apprennent l'alphabet japonais. En fait, à partir du moment où tu comprends le français, où tu es capable de comprendre ce qu'une personne te dit en français, je ne sais pas, peut-être 5-6 ans même, peut-être avant, ça dépend des personnes, tu peux y aller. Il n'y a pas forcément d'âge requis. J'ai des gens qui me disent j'ai 13 ans, je peux y aller. Oh, 13 ans, tu peux largement y aller. La chaîne s'appelle Cours de japonais avec un point d'exclamation. Vous allez sur YouTube, vous tapez japonais, en général c'est le premier résultat, mais cours de japonais, vous retrouvez hein, le petit chibi, vous êtes sûr de le reconnaître. Sinon sur Twitter, Julien Fontanier, sur Facebook il y a une page cours de japonais, sur Instagram pareil il y a un compte cours de japonais. Bon, après vous avez tous les liens à partir de la page YouTube et en bas de chaque vidéo vous avez ce qui s'appelle le plan des cours. C'est un sommaire en fait de tous les cours qui sont présents sur la chaîne et qui sont bien organisés dans l'ordre à suivre en fait. Donc ça va être votre centre pour tout ce qui est apprentissage du japonais.